Bonjour à tous, c'est Astrid de la chaîne La Vie en Rousse pour la chaîne de toutes les boxes et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le contenu de la box envoûtée pour le mois de juillet. Si vous ne connaissez pas la box envoûtée, c'est une box qui est autour du thé dans laquelle on retrouve entre 5 et 7 échantillons vrac de thé tous les mois. Au niveau du prix, elle est proposée au prix de 19,90€ et en plus des thés, on a toujours un petit objet ou une petite gourmandise en plus et elle se présente toujours dans une boîte carrée comme ça qui est décorée au thème de la box en fait. C'est des boîtes qui sont très très pratiques pour ranger des trucs dedans, donc moi je les garde toutes et voilà, j'aime bien en faire la petite collection. Donc pour ce mois de juillet, je ne sais pas ce que ça peut être le thème là, ça me fait penser à peut-être l'Italie ou l'été, quelque chose comme ça. Et à l'intérieur, voilà comment ça se présente avec tous les formats de thé. Donc c'est parti, on va découvrir tout ça. Avant de découvrir l'été, du coup, on trouve le petit magazine qui va nous expliquer tout en détail. Donc le thème de ce mois de juillet, c'est la cocktail party. Donc ouais, j'étais pas trop loin non plus. Donc c'est parti, on va découvrir tout ça. Alors le premier format, c'est le format de la marque envoûtée. À chaque fois, on a la marque envoûtée et des thés d'autres marques. Donc là, c'est le Bitonic. C'est une tisane, c'est pas un thé. À l'intérieur, il y a des morceaux de pommes, du fenouil, de l'églantier, de la camomille, du miel, de la mélisse, de la lavande. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Il n'y a pas de thé à l'intérieur, donc c'est quelque chose qu'on peut boire même le soir sans souci. Eux, ils le conseillent en fait en cocktail boostant. Donc d'après ce que je comprends, pour tous les échantillons, pour tous les formats, en fait, on va avoir une petite recette pour l'utiliser en cocktail. Donc là, il faut le mélanger avec de la limonade, de la menthe et du jus de pomme. A voir si je le testerai comme ça ou bien si je le boirai chaud directement comme je fais d'habitude. Mais voilà pour ce premier format. Le deuxième format, c'est une marque que je ne connais pas du tout qui s'appelle J'adore le thé. Et là, c'est un thé vert oriental à la menthe poivrée. Donc on a juste du thé vert, des feuilles de menthe poivrées et c'est tout. Donc c'est un petit format comme ça. Eux, ils le conseillent en cocktail rafraîchissant. Donc à mélanger avec un cocktail sans alcool, parfum mojito, du jus de concombre et du gingembre et des morceaux de concombre. Ça peut être pas mal ça, ouais, vraiment, vraiment rafraîchissant. Je pense qu'en thé froid, il peut être pas mal aussi, thé froid tout seul en fait, sans le mélanger style cocktail, mais vraiment tout seul, ça peut être pas mal. Je pense que c'est comme ça que je vais le tester. Ensuite, on a ce format-là qui s'appelle Kiss Kiss. C'est de la marque That's the Tea qu'on avait déjà eu plusieurs fois, il me semble. Là, c'est un thé rooibos avec des fleurs de bruyère, des petits cœurs en sucre apparemment, de la fleur de sureau, du poivre rose, des pétales de fleurs de rose et de l'arôme de rose. Il le conseille comme un cocktail douceur, c'est à mélanger avec de l'eau et du jus, mais ils disent pas jus de quoi, c'est écrit du jus de votre choix, donc à voir. Je pense que je le testerai tout seul celui-ci. Il y a du colorant etc. à l'intérieur, donc je pense qu'il a une très très jolie couleur, même fait tout seul en fait, ça peut être très sympa. Ensuite, le quatrième format de thé, c'est le thé qui s'appelle l'Amaretto de la marque Le Thé d'Amandine, que je ne connais pas du tout encore une fois. Cette fois-ci, c'est pas un thé mais c'est une infusion à base de pommes, de mangue, hibiscus, papaye, fruits du dragon, myrtille, fleurs de mauve et pétales de rose. Ça peut être très sympa ça aussi au niveau de la couleur. Pour le cocktail qu'il nous propose, c'est mélangé avec du jus d'orange, du citron vert, du vin blanc, du pamplemousse et des glaçons. Très très sympa ça, en petit cocktail pour l'été, ça peut être très très cool. Je pense que je les testerai tous en version chaude classique comme d'habitude et après je verrai si je les utilise dans des cocktails ou si je fais des petits mélanges, des petits tests. Le format de thé suivant, c'est un thé glacé à la pêche de la marque Nectar de thé. Donc c'est à base de thé vert, morceaux de pêche, morceaux de pomme, du miel et des pétales de rose et des fleurs de sucre. Ça peut être très très sympa ça, en version froide encore une fois pour l'été. Dans le cocktail qu'il nous propose, c'est mélangé avec du whisky, du sucre roux, de l'eau gazeuse et du jus de citron et de la menthe, des feuilles de menthe. Très très sympa ça comme cocktail, je pense que je le testerai celui-ci, ça peut être très très bon. Et sinon en version froide classique pour l'été, je pense que ça peut être vraiment bien. En petit bonus, on a un petit échantillon, un petit format unique en fait de la marque Nectar de thé qui est la tisane étoilée. Donc c'est à base de menthe, citronnelle, écorce d'orange, pomme, réglisse,
myrtille, poivre rose et tournesol. Très sympa ça, en petite tisane de l'été. J'aime bien toujours découvrir des petits formats comme ça, c'est cool d'avoir un petit format en plus. Et la dernière chose qu'on a dans la box, donc le petit objet en plus, c'est une petite cup comme ça en plastique. Là, ils nous disent que c'est une Eco Cup, du coup, qui sera parfaite pour faire les recettes de cocktails qu'on a dans le petit livret. Et après, c'est écrit qu'on peut partager nos créations sur les réseaux en les taguant. Donc ça, c'est très sympa, oui, à utiliser pour faire les petites recettes. C'est une cup qui fait 30 centilitres. Donc voilà, plutôt cool. Moi, j'aime bien les petites cups en plastique comme ça, j'en utilise très souvent. Donc ce sera utilisé avec plaisir. Et voilà pour le contenu de cette box envoûtée pour le mois de juillet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour découvrir de nouvelles box. À bientôt!